l'objet de l'article compte, mais pas tant que ça, parce que après tout, tout sujet peut être intéressant. Il peut y avoir des objets très attendus liés à une actualité qui finalement sont traités sur un mode assez banal et l'objet est intéressant, mais au fond, c'est pas l'objet qui fait la valeur de l'article. Là, on a eu des choses intéressantes hein, sur le référendum citoyen, sur Vincent Lambert et la question du consentement à mourir, etc. Mais ce qui compte au bout du compte, les enfants djihadistes étaient passionnants, c'est vraiment la construction. Premièrement, la construction argumentative, qui est quelque chose qui soit dit. Deuxièmement, l'élégance du style. Et troisièmement, l'absence d'erreurs factuelles majeures. Ce qui peut nous arriver aussi d'avoir les deux premières qualités, et puis soudain, il y a une erreur grossière de droit qui saute aux yeux, d'ailleurs pas toujours de tout le monde. Tout d'un coup, quelqu'un dit « enfin ça c'est complètement faux, on peut pas laisser passer ça ». Voilà. Donc il faut une alchimie, il faut que ça se lise bien, que ce soit intelligent, qu'il y ait une vraie thèse et qu'il n'y ait pas d'erreur grossière. Et en général, sur un sujet intéressant, mais ce n'est pas le plus important parce que tous les sujets sont intéressants.